particulier à Khartoum, entre l'Algérie et l'Égypte. Et l'Algérie est qualifiée pour la première fois depuis 24 ans pour une phase finale de Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes fier? Oui, la fin de l'après-midi avait super bien commencé, c'est vrai. j'étais fier. Mais vous je veux dire, ce dont j'étais le plus fier, c'est que c'est pas forcément sur les deux matchs qu'il y a eu, justement. Je suis content que ça s'est fait justement sur un match d'appui et pas que l'Algérie ait gagné en Égypte. J'étais content de ça, mais j'étais content surtout du parcours en lui-même, parce que j'ai suivi quand même le parcours de l'Algérie. Et comme vous l'avez si bien dit, après 24 ans, c'était. Voilà. Pour eux, ils avaient gagné la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, c'était quand je regarde les images, justement, à la mi-temps de Marseille contre Paris, j'avais l'impression de revivre la même chose avec la France en gagnant la Coupe du Monde. Donc, c'est ça qui est magique quelquefois. C'est l'honneur d'un peuple. Et c'est de voir ces images-là alors que quelque part, c'était 23 mecs qui avaient fait leur boulot de se qualifier pour une Coupe du Monde. Mais c'était magnifique de voir ça. Et j'étais vraiment content pour tous les gars parce qu'ils le méritent sur l'ensemble de la compétition, sur l'ensemble de comment s'est passée leur qualification.